Voilà, bon, demain nous organisons la journée du producteur. Et aujourd'hui, nous voulons voir dans nos unités les femmes qui sont rapides dans le dépellicilage et dans le décortiquage. Ici, nous avons la table des dépellicileuses. Et nous avons saisi 1 kg d'amande pour chaque dépellicileuse. Maintenant, la première à finir sera classée première, la plus rapide. Et ainsi de suite, jusqu'à la troisième. Donc, il y a les trois villages qui sont nos unités. Il y a le village de Kiramiché, le village de Pana et Saoudi. Donc, chaque femme représente ici un village. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la section des corticales. Ici aussi, nous avions donné 2 kilos à chaque des corticales. Et la première à finir sera la meilleure. Et aussi, elle représente chacune un village, comme je l'ai dit là-bas, le village de Saoudi, Yamsé et Pana. Elles sont déjà les meilleures de ces trois villages-là, les meilleures des cotiqueuses et les meilleures des pelliculeuses. Donc, sans plus attendre, nous allons passer maintenant voilà, au concours proprement dit. Je vous remercie. Merci. Thank you.
Thank you.
de Dieu. Bonjour. Ah, bien.
Ils sont presque dans le même stationnement. C'est ça, c'est où? C'est Saoudi. Saoudi. C'est non. C'est dans le second qui ne sait pas. Comment on fait là? Le papier d'où? Ah,
99 grammes. Ok. Donc, malgré avoir mis le prix, je suis en train de faire les discours avec l'Assemblée. Ça va, ça va bien. Ça va. Saudi, ouais. Ça fait la manne entière. La manne entière, 538. 538. 538. Ouais, ouais. Madame, fendu 200. 200 juste. D'accord. Voilà, elle est même la calme. Oui, salut. Il est ici. Regardez-le. Hein? Hein? Ouais, entier. Entier, 545. 500. Hein? Ça dit 223. 223. Ouais, c'est clair. C'est fini. C'est sûr, on est fendu là. 537. Entier, hein? Ouais, 537. 537. Fendu. Fendu. 216. Ok.
Également, nous allons saluer la présence de nos chefs et nos rois. Mesdames et messieurs, parlons et salés, platérie, papiterie et biscuiterie. Par message des amendes, on obtient une pile petite dans les préparations. On va demander aux disjonctifs de l'heure. Technique. On va révéler ce que c'est dans la carte. C'est vrai.
peut-être qu'on a déjà vu la NACA, mais est-ce qu'on peut accorder beaucoup d'audience à tout ce que nous dirons, tout ce que nous ferons? Et dans la tête, moi propre gouverne, nous reparler des pellicules. Quels sont les parties aux vitamines C? Et ce matin, je vois le Jean-Béry, monsieur le secrétaire général, un des préfectures, qu'on va applaudir bien fort à son arrivée ici. Une autorité très proche de cette population, en tant qu'animateur, on l'a vu dans bien de cérémonies, quand bien même, il a un programme très chargé. Mais il fait l'effort d'être là à chaque fois qu'on le sollicite pour le développement de la région et de nos populations du monde. Merci infiniment, cher papa. Nous 2 minutes et nous commençons véritablement. Merci, à tout à l'heure. Mama,
Ma maman, tu arrives. Et voilà. Pour vous donner le traditionnel Toubalé, qui signifie en langue Boulango, soyez les bienvenus. La COPABO, c'est la coopérative des producteurs agricoles de Bandougou. Elle est créée en 1999 dans l'objectif de la production et de la commercialisation des produits agricoles. Depuis 2004, la COPABO, encadrée par les ONG Orangeade et Inadet, financé par l'Union européenne, s'est investi dans la transformation de la Dakar pour des revenus additionnels pour le bien-être des membres. Pour atteindre ses objectifs, elle a opté à une double certification. La certification PLO en 2006, cela signifie que la coopérative COPABO est certifiée en FLOTER. La certification bio en l'an 2010. Les deux certifications rendent la COPABO crédible à compétir sur le marché conventionnel. En septembre, l'ENTIC a mis en place un système de communication du prix de l'ANACAR aux petits producteurs dans la région du Nord-Est, donc en Bandougou. Tout cela vise à améliorer les conditions de vie des producteurs. Le but de cette journée d'aujourd'hui, appelée journée des producteurs dans la case, est de réunir au niveau local et régional les différents acteurs sociaux et économiques pour faire connaître cette filière au grand public,
de faire des échanges et des partages d'informations, de faire connaître l'intervention des partenaires Rojac, Inadec, Fondation de France, Fondation Raja, Chigata et l'intervention de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Mission d'effectuer une campagne de promotion de l'Anacar, c'est-à-dire la production, la transformation, la dégustation et la commercialisation. Assurer une communication promotionnelle sur le projet. Communiquer en direction du grand public. Réunir et échanger avec les acteurs locaux, les autorités locales, les acteurs du développement sur le projet EMTIC. Organiser des démonstrations de recettes et de quantités générales. Assurer la visibilité du projet et des actions de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Et les autorités. On va continuer de l'applaudir. Et voilà, au nom de la Cour d'invités. J'honore le choix de prendre la parole au nom du Conseil d'administration de la COPABO pour vous remercier de votre présence à cette journée dénommée Journée du producteur d'Anacar du Gombo, qui se veut une journée promotionnelle de l'Anacar. Pourquoi une telle journée à cette période de l'année? Eh bien, la coopérative des producteurs agricoles de Bondoukou organise cette journée pour présenter ses activités de développement en milieu rural ainsi que ses partenaires qui sont le RONJAD, la Fondation Raja appuyée par l'Union européenne, INADES Formation Côte d'Ivoire, Chigata, GIZ, Slow Food en Italie, sans oublier les coopératives sœurs, Cogest Cetengo, Coco Fragel de Boula, Olam Ivoire, Compacar, ainsi que tous les acteurs qui interviennent dans la filière Anacar dans le Congo. Le RONJAD est une organisation non gouvernementale basée à Lyon en France, dont les activités couvrent les secteurs des filières agricoles et agro-industrielles et la définition des politiques agricoles dans les pays en développement. En 2009, un projet a démarré pour la mise en place d'un système de communication des prix agricoles de la filière noix de cajou aux petits producteurs de la région intitulée « Création d'un réseau éthique proactif de partage des connaissances du marché mondial de la noix de cajou pour valoriser la filière en Côte d'Ivoire. Et cofinancé par la Fondation de France et Raja, le projet est mis en place avec des partenaires de terrain que sont Chigata, INADES Formation Côte d'Ivoire au niveau national et COPABO, COGES, ANADER, COCO Fragel au niveau régional. Le projet a développé un service d'information et d'accompagnement sur le marché qui améliore les connaissances des différents acteurs de la filière sur le marché local, mondial et les doter d'outils de réflexe et de capacité pour maîtriser les informations qui leur permettent, au final, de mieux vendre la noix de cajou. Le service s'articule autour de 5 composantes. 1. Collecter les informations sur le marché local, national et international de la noix. 2. Conduire une analyse sur ce marché pour améliorer la qualité et les impacts des informations transmises. 3. Former les producteurs et les paysans leaders pour améliorer leur compréhension et leur capacité de négociation. 4. Diffuser régulièrement des informations décryptées directement, utiles à travers divers moyens, les SMS, les bulletins, radio rurale, téléphone, bouche à oreille, pour une bonne prise de décision. En groupe, et prendre des décisions collectives, à travers des ventes groupées, stockage collectif, négociation du prix ensemble, etc. Avec les différents partenaires cités ici haut, la COPABO a expérimenté d'autres projets qui sont
hein, la création d'unités de transformation à Taoudi qui remplissent son âme, permettant aux femmes et aux jeunes d'acquérir des emplois en milieu rural, une première dans la région. Deux, à travers la journée Terra Madre, organisée le 12 décembre 2010, nous prenions également les produits locaux de la région. Avec ce programme, un volet de création de jardins scolaires est en vue dans la région à travers le projet 1000 jardins pour l'Afrique. Trois, avec l'initiative du cajou africain, la COPAGO et certaines coopératives ont participé à la formation sur le terrain des producteurs d'anacarde, les initiant ainsi à la création et l'entretien d'une nouvelle parcelle d'anacardier, les opérations d'entretien d'une plantation d'anacardier et les opérations de pré-récolte, de récolte et de post-récolte. Monsieur le secrétaire général, avec toutes ces activités, nous voulons amener le producteur d'anacarde à mieux connaître et maîtriser son domaine d'activité afin d'en vivre pleinement. Cette tâche, avouons-le, n'est pas aisée dans un système libéralisé et concurrentiel comme le nôtre, et la crise qu'a connue notre pays a fait son effet avec une menace sérieuse sur la vie des coopératives de la région. Il est urgent que l'autorité se penche sur les difficultés que traversent les coopératives dignes de ce nom par un diagnostic sérieux pour les prendre en compte dans le programme de reconstruction du pays. À travers donc cette manifestation, la COPAGO souhaite vous dire que malgré les difficultés, malgré les effets de la tempête, la vie a repris au sein des coopératives. Nous vous souhaitons donc une excellente journée. Je vous remercie. Dames, à toutes les coopératives ici présentes, à tous les parents invités et à tous les producteurs ici présents, je tenais à transmettre les salutations de l'ONG Sigata et de INA des formations, les structures d'appui pour le projet NTK. Ce jour, de l'ex-président. Donc, le projet NTK, c'est un partage d'informations au niveau du marché international de la Noix de Cajou entre les différents acteurs de l'anacarde. Et ce projet a été mis en place en 2009 et a véritablement démarré dans la zone en 2010, c'est-à-dire en année 2. Et son objectif, c'était de former, d'accompagner 7000 producteurs en vue d'améliorer leurs revenus et de leur permettre de capter les systèmes qui leur permettront de négocier les meilleurs prix sur le marché de l'anacarde. Il faut dire que le projet s'est déroulé en deux phases. Il y a d'abord la phase de lien en passant par les structures d'appui, les transformateurs, les commerçants et les maillons essentiels qui sont les producteurs. Ces formations ont permis de transmettre aux producteurs la connaissance sur le marché international de la noix de cajou et aussi aux transformateurs et aux acteurs locaux toutes les informations sur le marché. C'était quand même au cours de la campagne envoyer des informations aux producteurs, aux acteurs de la filière afin de leur permettre de pouvoir mieux jouir de ces informations. Donc, ces acteurs, il y avait trois grands acteurs au niveau de l'information qui était disséminée. Il y avait un acteur basé en Europe, de la part du Ronjas, mais un analyste qui était basé en Côte d'Ivoire, et avec les appuis des techniciens sur le terrain, on coûtait les informations chaque personne dans sa zone. C'est-à-dire que l'acteur qui est en Europe se chargeait de tourner et compter les informations sur l'anacarde dans tout ce qui est international. Celle qui est à Abidjan, à INADES, elle aussi est occupée du port, de tout ce qui s'est passé au niveau d'Abidjan. Et nous, techniciens qui étions sur le terrain, avec les commerçants, les producteurs, on essayait d'avoir les informations au niveau de la production. Et c'est pour le petit temps de vie. Je remarque dans mon rap, à la règle. Pour le mot de l'ouverture. Applaudissements, Nourri. Applaudissements, Nourri, à s'il vous plaît. À la règle. Applaudissements, Nourri, je n'entends rien. Nana, y'a pas de clic à porter ma
Monsieur le représentant du Conseil général, Monsieur le représentant de Monsieur le maire de Guadeloupe, Monsieur le directeur chef des services, à tous les responsables, acteurs et partenaires de la Nan de Cajou, vénéré chef politique, le préfet de région de Guadeloupe, préfet du département de Guadeloupe, l'évêque là en personne ce matin pour s'adresser à cette brave population de Guadeloupe. Depuis deux jours, il a été appelé à l'extérieur de sa circonscription pour défendre les intérêts du département de Guadeloupe. Il m'a donc demandé de venir les représenter et de vous dire combien il est heureux que des coopératives telles que la COPACO prennent des initiatives heureuses pour assurer la promotion de leurs différents produits. Merci la COPACO pour nous avoir donné cette occasion de connaître mieux ce produit qui est devenu essentiel pour la région du Zambon. Plutôt pour la région du Guadeloupe, je voulais dire du district du Zambon. Parce que ce district rassemble deux régions, la région de Guadeloupe et la région de Boucani-Pona. Mesdames, Messieurs, l'occasion est belle pour lancer un appel vibrant aux populations. Une chose est de l'avant. C'est au niveau de la commercialisation que les problèmes se posent. L'année dernière, la Côte d'Ivoire n'a pas produit d'anacarde. Puisque dans les statistiques de l'économie ivoirienne, l'anacarde n'apparaît pas. Parce que l'anacarde, la Côte d'Ivoire a été vendue à l'extérieur de la Côte d'Ivoire en détournant les voies normales pour empêcher seules. Malheureusement, nous ne sommes pas des voies légales pour vendre nos produits. Et dans la comptabilité ivoirienne, nous n'avons pas de l'anacarde. Or, l'anacarde est essentielle. Si vous ne vendez pas votre produit à la Côte d'Ivoire, alors vous ne serez pas pris en compte dans les plans de développement, parce que lorsqu'on apporte le développement dans une région, on veut voir la capacité, le niveau de développement, le pouvoir de production d'une région. Malheureusement, nous produisons et nous préférons faire partir à l'extérieur sans passer par les circuits normales de la Côte d'Ivoire. Je vous engage cette année que votre production soit vendue entièrement en Côte d'Ivoire et de la vendre dans d'autres pays qui ne sont pas et des grands producteurs, mais qui sur le plan de comptabilité est devenu le grand producteur. Or, les producteurs, je parie avec vous que tout dans la carte de Côte d'Ivoire soit vendu à la Côte d'Ivoire. Nous produisons, malheureusement, nous exportons les bruts. Or, il faut une transformation pour donner une valeur au produit, ce que l'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, il s'agit de quoi? Lorsque vous avez récolté votre anacarde, vous le séchez et vous le transformez, et surtout que l'exportation soit les produits finis ou semi-finis que de faire partie à tous les partenaires, les ONG et les organisations internationales qui aident à la promotion de ce produit. Tout à l'heure, vous allez voir les stands et vous allez découvrir que nous pouvons consommer une bonne partie de notre acajou. Et vous appartient de trouver des recettes, des très bonnes recettes, afin que tout ce que nous faisons, nous puissions le consommer, évitant ainsi l'exportation à grande échelle et encore avoir plus d'argent.
à les transformations sur place. Mesdames, Messieurs, dans le discours, il est bon de solliciter encore la COPAPO en terminant pour dire que de telles initiatives viennent de partout de la région, imitant ainsi l'action de la COPAPO. C'est sur ces mots que je voulais déclarer ouverte la journée de promotion de la Noire d'Acadie dans la région du Centre. Je vous remercie. Merci. Ah, les mamans, elles souffrent. Ce n'est pas nourri pour la vie. Au niveau de ce décortiquage, on a la première qui répond au nom de Sinyo Yawa Yereboro de Kiraxen. Elle a eu 1004 points. Applaudissements honorés. Elle a eu 1004 points. Sinyo Yawa Yereboro de Kiraxen. Les bikoukou, les bingayé, guiandou, mène, d'abé, un beau résultat, mène, à n'en dévoir pas une mieux. C'est les boutons, les bois, un beau mène, bodé, le secrétaire général 1 de préfecture. Voilà. Madame Sinyo Yawa Yerepo de Kiramset. Allez, de nos autorités pour vous faire récompenser. Elle a obtenu 1004 points. Ça mérite encore des applaudissements. La meilleure des quantités. Voilà les photos des familles. On va donner un temps de prière de Félix
C'est-à-dire la meilleure détenitueuse. Elle va se faire présenter par le conseil général. Le conseil général qui remet la récompense dans toutes les charges de Pirantin également. Applaudissements. Elle a du Pirantin. Elle se donne à quoi dans toutes les charges. Elle a obtenu 1313 points. Et là, il nous parle pour les secondes. Merci beaucoup. Ce homme, Kwadio Aman Ngouran, elle est Saoudi, elle a obtenu 951 points. Applaudissements dorés. Elle va se faire récompenser par le Saoudi. Elle a obtenu 951 points. Merci beaucoup. On va aller rapidement. La deuxième des pellicules. Elle répond au nom de Tapa Yawa Thérèse. Elle vient de Panan et elle a obtenu 1290 points. Il y a une ou pas pour les elle pas. Non, tout va laisser. Elle va se faire récompenser par le DD. Ah d'accord, c'est pas bien. Elle se nomme Kwadio Abena Géraldine. 15 points. Et là, il nous parle pour le tour. Elle va se faire récompenser par le leader de l'agriculture. Madame Kwadio Abena Géraldine, venant de Panama, elle obtenait 875 points. Vous savez, chez nous, les rois décédés des chefs de venir récompenser la troisième des pellicules qui est de Saoudi. Elle a obtenu 1276 points. La troisième des pellicules qui a obtenu 1276 points. Elle est Saoudi. Et la dernière à être récompensée de Madame Akwa Kraodet. Et là, nous parlons pour les choses. Mais je pense que le PCA de la Coupe Ambo va remettre le cadeau avec des bisous, bien sûr. Des bisous glacés. En passant à la visite, et puis on va demander à toute la visite. Madame la Présidente, c'est le moment de faire la vidéo.
Gracias.
problème est sorti, on met en prise pour que ceux, les opérateurs, soient écartés de l'achat et que seuls les acheteurs et les coopératives puissent avoir accès au projet. Aujourd'hui, nous avons récompensé au total 8 femmes parce que nous avons 3 unités dans les 3 villages qui sont Kaobi, Tiramisé et Fana. Et nous avons voulu encourager ces femmes-là à plus d'activité au travail parce que ce n'est pas évident que les femmes paysannes abandonnent leur champ pour venir à l'unité, même si c'est plus, enfin, ça leur apporte quelque chose. Donc c'est une manière de les encourager. Il y a eu 8 femmes que nous avons filmées et il y a deux grandes sections de travail dans les unités, d'abord le décorticage des fenêtres et le dépilculage. Donc le décorticage par unité, on a filmé la première. Et c'est comme ça que dans les 3 unités, on a filmé la première.